Bon, ici, voyons voir un match mettant en vedette KRKN. Cette fois-ci, il vient des États-Unis d'Amérique, Massachusetts. Double Dolph D. Puis je ne cesserai pas de répéter, Jesse. Si tu veux vaincre un adversaire, essaye une autre approche que de faire un smash, de tenter un smash une météore. Ça ne marchera pas tout le temps. Il la trave, donne quelques petits coups pour s'avantager. Gary essaie de tenter de l'attraper sur le rebord pour tenter de le mettre en KO par un smash météore. Putain, essaie de l'attraper, là, Seigneur, arrête ça. Enchaîne plutôt des combos à place. T'auras bien plus de succès que de tout le temps l'attraper, puis après ça, enchaîner tes coups. Qu'est-ce que je vous avais dit? Smash Meteor, ça marche pas tous les coups. Regardez ça, c'était brillant. Regardons les cailloux spectaculaires ensuite. Regardez encore une fois. Trop tard. Il s'est fait avoir assez facilement. T'es très intelligent quand même de tenter ça, hein? Par un risque quelconque de se suicider grâce à ça. Si le coup est manqué, là, ça a été très bien réussi. Puis c'est Jesse qui a reçu le coup à la place. Et c'est lui qui s'est retrouvé dans le vide. Et puis ça prouve qu'il n'a pas juste qu'une faction de fer, hein? Pour vaincre son adversaire, hein? Il y a plus qu'une façon. Il faut juste tenter de les exploiter un à un. Parfois, ça donne comme ça. Genre que ça soit toujours le même smash, peut-être pendant deux matchs, après ça, si t'as différents smash que t'essayes, puis que ça peut te porter fruit des fois, pas tout le temps la même chose. Moi, je commence à le connaître un peu plus, là, sa façon de faire, par des attrapés. Hey, on l'a bien vu avec son pit la dernière fois, quand il avait peur de lâcher au deuxième match contre Zachary. Ben là, il a tenté de faire la même chose avec lui, avec un smash météore avec Mario. C'était ça, c'était juste ça, la seule façon qu'il a trouvé. Mais son adversaire était trop fort. Il a su qu'est-ce qui s'en venait, fait que lui, il a décidé juste de l'intercepter et de l'avoir par l'effet surprise. Ça a bien marché. C'est ça être polyvalent, hein? C'est bien beau de s'obstiner, mais parfois quand ça fonctionne pas, faut mieux tenter une autre stratégie.